Mané, je vous salue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir deux productions écrites sur le récit de voyage et le reportage touristique. Bien sûr, nous allons se concentrer ou bien consacrer ces productions sur le reportage touristique, comme la séquence l'indique, c'est faire des reportages touristiques sur une région d'Algérie. Bien sûr, on a vu durant les cours la différence entre un récit de voyage et un reportage touristique. La différence, c'est que le reportage est une description d'un lieu, d'une ville. Et le récit de voyage est une expérience personnelle d'un journaliste, c'est-à-dire qu'il partage un voyage qu'il a effectué personnellement. Bien sûr, on trouve des descriptions comme dans le reportage touristique, mais là, le récit de voyage, la visée du récit de voyage, c'est de partager une expérience personnel, contrairement au reportage touristique qui est informé sur un endroit pour inciter les visiteurs ou les touristes à visiter ce lieu. À tout de suite. Bon, la première production écrite sur la ville de Timgad. Timgad, une ville romaine en Algérie. Bon, je vous lis la production qui va être suivie par une traduction au fur et à mesure. Bon, je commence. Timgad est une ancienne ville romaine située en Algérie, fondée au 1er siècle après Jésus-Christ, considérée comme l'une des villes les plus prestigieuses de l'Empire romain en Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est une destination touristique populaire pour les passionnés d'histoire et d'archéologie, célèbre pour ses impressionnantes ruines romaines et ses mosaïques colorées. En plus de ses sites historiques, Timgad est également connu pour ses beaux paysages naturels et ses festivals culturels annuels. Dans l'ensemble, Timgad est une ville fascinante et un lieu incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture romaine, offrant une expérience attrayante pour tous les voyageurs. Voilà, vous avez là la traduction. Vous faites une capture d'écran. Maintenant, je passe à la deuxième production sur Tamanrasset, la ville de Tamanrasset, beauté et culture du Sahara algérien. Tamanrasset est une ville algérienne située dans le sud du pays. Entourée par les montagnes du Hoggar et réputée pour ses expéditions dans le désert du Sahara. Les visiteurs peuvent y découvrir les magnifiques paysages du désert à dos de chameau, explorer les montagnes environnantes, notamment le sommet de la Sekrem, et visiter le marché local pour acheter des produits artisanaux traditionnels et déguster la cuisine locale. Tamanrasset est également connu pour son Festival international du Sahara, un événement incontournable pour les amoureux de la musique et de la culture saharienne. En somme, Tamanrasset est une destination unique pour les voyageurs qui cherchent à découvrir la beauté et la culture du Sahara. Là, vous avez la traduction, vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous cliquez sur j'aime, vous partagez la chaîne et à la prochaine vidéo.